Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. J'ai déjà 5 enfants, mais les femmes disent que j'ai l'air jeune et que ma peau ressemble à de la porcelaine grâce à ça. Le visage est le lieu principal et le plus visible dans lequel divers changements se produisent. Il est vrai que la peau est modifiée et change tous les jours par différents facteurs, mais beaucoup sont concernés quand toute imperfection qui a l'air bien peu apparaît, comme lorsque cela se produit, des problèmes tels que la faible estime de soi et la peur de prendre des photos commencent. Il est important de comprendre que l'apparition des imperfections est généralement normale, car la peau ne sera jamais parfaite tous les jours parce que même l'ambiance a tendance à avoir un impact sur elle, afin que le travail nous aide à avoir une vie saine et en prendre soin constamment. Quand les années passent, nous avons commencé à remarquer que la peau perd de son élasticité et de rides qui est l'un de ces problèmes anti-esthétiques que nous détestons tous apparaissent, mais aujourd'hui, nous apportons un masque naturel très puissant qui élimine certainement les rides et aussi nourrir beaucoup votre peau. Ensuite, je vais mentionner les ingrédients et comment vous devriez le préparer. Le masque pour éliminer les rides, rajeunir la peau et de la porcelaine à teindre. Ingrédients. 1/4 et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. 1/3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. 1/2 verre d'eau. 1/4 et 2 citrons. Un peu de miel. Mode de préparation. Nous devons d'abord verser de l'eau dans notre verre à mi-chemin et diluer le vinaigre de cidre de pomme. Maintenant, nous ajoutons le bicarbonate de soude dans un bol avec de l'eau et du vinaigre. Ensuite, nous ajoutons notre jus d'un demi-citron et mélangeons très bien tout. Essayez qu'il n'y ait pas de masse et que ce soit un résultat aussi homogène que possible, de cette façon nous pouvons profiter du masque dans sa splendeur maximale. Pour terminer, ajoutez notre miel et bien mélanger jusqu'à ce que nous intégrons à nouveau tous les ingrédients. Mode d'utilisation. Avant de l'appliquer, il est extrêmement important de bien se laver le visage, afin que toutes les impuretés que vous y avez n'affectent pas notre traitement. Lorsque votre visage est propre et vous passez à appliquer le masque, nous vous recommandons d'utiliser un pinceau de maquillage pour cela. Laissez agir pendant environ 10 minutes, puis rincez abondamment à l'eau. Ce masque est assez fort donc nous vous recommandons de ne le faire qu'une fois par mois, si vous avez une peau trop grasse, vous pouvez le faire au maximum 2 fois par mois. Si vous utilisez constamment ce masque, vous aurez l'air beaucoup plus jeune, éliminez les rides et vous aurez l'air beaucoup mieux. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. Merci de nous avoir visités, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.